Est-ce que nous sommes déjà en quatrième semaine du Black November ? Oui. Est-ce que le temps passe bien trop vite ? Ça, il n'y a aucun doute. Et est-ce que j'ai déjà tourné cette intro hier, mais que mon appareil photo m'a joué un mauvais tour, et que je me vois donc dans l'obligation de la retourner aujourd'hui ? Tout à fait ! Bonjour et bienvenue à tous dans ce quatrième vlog du Black November 2022. Comme je le disais, j'ai pour une fois joué ma bonne élève. J'avais ouvert mon vlog le premier jour de la semaine, donc hier lundi, sauf que voilà, au moment du dérochage, eh bien, il s'avère que la moitié de ce que j'avais filmé n'avait pas été enregistré. Pour une raison totalement obscure qui m'échappe encore à l'heure actuelle, mais bon, toujours est-il que je me retrouve donc dans l'obligation aujourd'hui de retourner l'intro de ce vlog. C'est pas comme si je courais un petit peu après le temps en ce moment, mais bon. Soit, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que je vous disais de beau hier ? Eh bien, je vous disais que j'ai donc commencé la quatrième semaine du Black November avec cette nouvelle consigne qui est donc de lire cette semaine des polars, thrillers, romans noirs ayant sur leur couverture une habitation. Si vous avez vu ma petite vidéo pile à lire, cette semaine c'est un petit peu la semaine de la triche pour ma part, puisque disons que j'ai pris l'idée d'habitation un petit peu au sens large. Donc pour rappel, j'avais entre autres mis dans ma pile à lire Siglo de Ragnar Jonasson, qui me tente bien parce qu'il fait ses petites 256 pages écrites en plus plutôt aérées. Donc ma foi, je pense que celui-ci peut être un choix tout à fait stratégique. J'ai également mis dans ma pile à lire, et là on est un peu moins stratégique, Le Sceau de l'Ange de Lisa Garner, qui pour le coup fait ses petites 500 pages. Mais bon, je sais que Lisa Garner a un côté qui peut être assez addictif et page-turner, qui fait que généralement, même s'il y a 500 pages, ça se lit très bien. Et finalement, j'ai donc jeté mon dévolu hier sur Avalanche Hotel de Nico Takian, donc aux éditions Le Livre de Poche, parce que c'est Nico Takian que j'avais vraiment envie pour le coup d'attaquer avec une lecture que j'imaginais en tout cas hyper, pareil, addictif, page-turner. Voilà, je voulais un truc qui se bouffe, parce que bon, ces dernières semaines, j'ai eu des lectures pas mauvaise, mais pas aussi bonne que je l'espérais, et puis surtout des lectures qui pour le coup n'étaient pas dans le tournée de page, quoi. Je pense que ça explique aussi le fait que ces deux dernières semaines je n'avais lu qu'un roman par semaine, parce que c'était pas des lectures qui permettaient de dégommer rapidement de la page. Donc cette semaine, j'espère vraiment, contrairement aux deux précédentes, de pouvoir lire plus d'un roman sur la semaine. Et petit spoil, normalement on est plutôt bien parti. Ce roman fait donc à peu près 270 pages, mais avec des chapitres hyper courts, avec là encore une typo assez aérée, et puis le style de Nico Takian, comme je le disais, se lit facilement. Donc je l'ai attaqué hier, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dépassé la moitié. À la base, ce roman, ce n'est pas moi qui l'avais acheté, c'était l'amoureux qui l'a déjà lu, qui l'a plutôt bien aimé dans l'ensemble. Après, il est un lecteur beaucoup moins conséquent, je dirais, que moi. Enfin, il lit beaucoup moins que moi, et surtout, il lit beaucoup moins de polar et romans noirs, etc., que moi. Donc, je sais parfaitement que l'on n'a pas forcément les mêmes attentes par rapport à ce type de roman. Mais comme j'ai dit, là, moi, je cherche pas un truc hyper profond avec une écriture hyper chiadée. Non, non. Là, j'ai juste envie de me bouffer un bon gros thriller qui va se dégommer en moins de deux. Et ma foi, pour l'instant, c'est plutôt le cas. Alors, ce roman, j'en ai entendu du très très bon comme du très très mauvais. Donc, c'est aussi l'une des choses qui a fait que j'avais très envie de le découvrir pour m'en faire enfin mon propre avis. Au niveau de l'histoire, j'ai assez peu envie de vous faire un résumé parce que parce qu'on est sur un roman très court, et je trouve qu'on peut potentiellement assez vite tomber dans le spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'action se situe dans les montagnes suisses, et ça, c'est un très gros point positif pour ma part, parce que là on est vraiment dans le canton de Vaud, autour de Lausanne, Vevey, un coin de Suisse que je connais bien, que j'adore, où je rêverais de vivre. Donc
Juste, rien que pour ça déjà, je surkiffe mes lectures parce que je suis plongée dans ce petit coin de Suisse que j'aime beaucoup trop. Donc ouais, même si la fin est nulle, rien que pour ça, je ne regretterai pas d'avoir lu Alain Chautel. On est donc dans cette ambiance montagnarde un peu froide, on va se retrouver avec un homme qui a de sérieux gros trous de mémoire, qui a du mal parfois à faire la distinction entre la réalité et entre ses rêves. Et en parallèle de ça, il va devoir résoudre une sorte d'enquête. Voilà, vraiment, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais on va être avec du mystère, une histoire de mémoire un peu défaillante, le tout sur fond de Suisse montagnarde. J'ai donc plutôt bon espoir de le terminer aujourd'hui. Je crois qu'il me reste moins d'une centaine de pages, donc même si je sais d'ores et déjà que ce soir j'ai une montagne de linge à repasser qui m'attend, je pense tout de même arriver peut-être à me dégager assez de temps pour le terminer. Et si c'est ça, bien sûr, dès demain, je vous fais un petit débrief sur cette histoire qui, pour l'instant, me livre son lot de mystères, de dépaysements et d'instants lecture, ma foi, plutôt agréable. Voilà, comme je le disais, c'est que ça va clairement pas être la lecture du siècle ni un roman qui risque de marquer mon année. Encore que peut-être que la fin va être complètement dingue, je ne sais pas. Mais malgré tout, ça reste un bon moment de lecture, divertissant, page-turner, et franchement, c'est tout ce que je lui demandais. Sur ce donc, je retourne terminer mes quelques petits trucs que j'ai à faire aujourd'hui pour le boulot, et puis soit je vous reprends un peu plus tard dans la journée, soit dans tous les cas, à mon avis, on se refera un petit checkpoint demain. Bon, normalement, l'une de mes missions de la semaine va être de réorganiser complètement cette chambre pour créer un nouvel espace de jeu un peu plus propice et adapté à son âge, à Mininou, et puis surtout pour pouvoir lui caser un petit coin cuisine que voilà, qu'on est en train de lui préparer, mais il va falloir faire de la place pour ça. Donc bon, j'ai bon espoir d'y arriver, mais je vous avoue que, bah, comme d'hab, la semaine va passer très très vite, et avec tout ce que j'ai à faire, je suis quand même pas confiante à 100%. Et oui, c'est un peu le bazar, mais que voulez-vous, c'est une chambre d'enfant, et même s'il n'y a pas H24, et bah forcément, faut que ça vive. Oh là là, dans quoi je me suis embarquée. Je sais qu'à la fin, je vais être ultra contente de ce que j'aurais fait, hein, mais alors là, tout de suite, c'est juste l'hécatombe, il y en a partout. J'ai du mal à visualiser comment je vais réorganiser. Pour l'instant, j'ai déjà vidé tout ce qu'il y avait là-dedans. J'ai trié tout le premier étage ici et croyez-moi, il y avait besoin. Et voilà, j'en suis là à essayer de bouger les meubles. Du coup, il va falloir que je sorte ce chiffonnier là dans le coin, que je réorganise tout ce qu'il y avait dessus, parce que si c'était en haut, c'était pas pour rien. Et voilà quoi, le tout sans me faire un tour de rein. Bon ben, je vous dis à dans 3 heures en espérant que ce soit terminé. Qui dit bouger les murs dit, bon, au-delà des moutons qu'il y avait un petit peu partout et que c'est l'occasion d'aspirer, dit aussi petit pet sur les murs que l'on découvre et ça fait bien plaisir. Est-ce que j'ai le temps de remettre des petits coups de peinture là-dessus ? Absolument pas. Mais est-ce que je vais le faire parce que je suis complètement poké et perfectionniste? Je vous confirme. Bon, et au cas où certains auraient kiffé la couleur des murs, on est sur du Luxens acheté chez Leroy Merlin. Nom de la teinte, Sage 4. Ceci dit, nous avons un mini-nous extrêmement sage et cool à vivre. Alors je me dis, ma foi, c'est peut-être la couleur qui l'apaise. Voilà, si vous voulez des gamins cool, mettez du sage dans sa chambre. Apparemment, ça fonctionne. Bon, trêve de bêtises et de blabla, je vais du coup réparer ces petits pocs qui me font un petit peu péter un câble. Bon, après plusieurs changements, plusieurs tâtonnements, on en est là et je pense qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, ça a été testé et plus que validé par Mininou, et c'est quand même le principal. Et si vous vous demandez d'où vient cette petite cuisine, c'est tout simplement
une cuisine Lidl, c'est juste qu'elle a été customisée par mes soins. C'est pour ça qu'elle ne ressemble pas tout à fait à celle qu'on peut voir habituellement. Voilà, en tout cas, le petit boy s'éclate avec son coin cuisine. J'ai hâte qu'il puisse nous faire à manger pour de vrai, je vous avoue. Mais bon, ça, c'est pas pour demain. Il n'y a plus de doute, l'automne est bien bien installé. Et les trucs là, comme ça, au milieu du jardin, c'est parce qu'on s'est tapé une tempête. Et du coup, bah voilà, les chaises et le toboggan se retrouvent en plein milieu du jardin. Et autant vous dire que là, avec ce qui tombe en ce moment, je vais attendre avant d'aller les remettre convenablement. Parce que là, c'est pas possible. Je serai trop mouillée. Un petit chat. C'est pas un temps à mettre un chat dehors, ni même un humain, on est d'accord. Dis Minoukat. Bon, elle, ça y est, c'est bon. Elle fait sa petite toilette. Elle est partie pour le dodo de toute l'après-midi. Ce chat, c'est tout l'inverse de moi. On ne peut pas dire que son emploi du temps soit surchargé. C'est dodo toutes les matinées et toutes les après-midi. Ça va, tu t'ennuies pas trop? Non, ça a l'air d'aller. Je vous reprends en ce mercredi 23 novembre pour faire un petit point. Et si vous me voyez assise devant mes bibliothèques, vous vous en doutez, c'est tout simplement parce que je viens de vous tourner une vidéo. Plus précisément d'ailleurs, un point lecture. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Si je reviens aujourd'hui avec ma petite caméra, c'est tout simplement parce que j'ai terminé Avalanche Hotel de Nico Takian. Je l'ai terminé hier soir, il me semble, et forcément, j'avais envie de vous en dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que je n'attendais pas grand-chose de cette lecture, si ce n'est d'y trouver un roman avec une écriture très addictive et page-turner. Et sincèrement, j'ai franchement été agréablement surprise. Tout d'abord, agréablement surprise en matière de suspense, de rythme et d'intrigue, parce que franchement, je suis tombée très rapidement dans cette histoire, j'ai très vite été embarquée et j'ai clairement dévoré ce bouquin. Il faut dire que, comme bien souvent, Nico Takian a tout mis en œuvre pour tenir le lecteur en haleine, puisque l'on a par exemple des chapitres très courts qui se terminent souvent sur une petite phrase qui donne envie de creuser encore un petit peu plus loin. Dès le début, on rentre immédiatement dans le mystère et le questionnement, et au fur et à mesure, on essaye de remettre en place les différentes pièces du puzzle pour essayer de comprendre, au même rythme d'ailleurs que Joshua va essayer de recomposer sa mémoire. J'aime généralement plutôt bien les romans qui traitent de cette question de mémoire, de rêve et de réalité, et du coup ce fut une fois de plus le cas avec ce titre. Le revers de la médaille de tout ça, c'est que du coup on se retrouve avec un roman plutôt court, ou en tout cas assez rapide. Ça peut forcément être un défaut parce que ça ne permet pas de creuser peut-être comme il se devrait certaines thématiques, mais comme j'ai dit, personnellement, lorsque j'ai attaqué cette lecture, je recherchais justement une lecture courte, rapide et addictive, et du coup, personnellement, lorsque je l'ai lu, ça m'allait parfaitement. Non, ce n'est pas un roman d'une grande profondeur et le style, bien qu'efficace, est effectivement assez passe-partout, mais en attendant, ça a complètement relevé le défi de me divertir, également de me surprendre, parce que je n'avais pas vu venir la fin. Et ça, c'est pas toujours le cas. Du coup, quand ça arrive, personnellement, je trouve ça plutôt appréciable. Et j'avais pourtant échafaudé plusieurs hypothèses dans ma tête, mais pas celle-là. Comme je l'ai déjà dit, j'ai particulièrement apprécié que l'action de ce roman soit positionnée dans ce magnifique canton de Vaud suisse que j'aime tout particulièrement. Et puis, petite cerise sur le gâteau, l'auteur a fait des clins d'œil plus ou moins discret à mon auteur chouchou fétiche, j'ai nommé le grand Stephen King. D'ailleurs, l'auteur l'explique très clairement dans les remerciements que l'ombre du maître King et l'ambiance de Shining ne l'a pas quitté durant toute l'écriture de son roman, et ça se ressent. Voilà, on le pige très rapidement, même si, soyons très clairs, on est très loin de la plume et de l'univers de King, mais on sent tout de même ces petites influences. Comme je vous disais, les clins d'œil sont plus ou moins discrets,
puisqu'il y a un moment, par exemple, notre personnage dit très clairement que toute sa jeunesse, il a dévoré du Stephen King, donc là, aucun doute. On a aussi un autre passage qui m'a fortement fait sourire, puisque rien qu'en voyant la couverture, on pense direct à Shining, et là, on nous dit qu'il eut un frisson en imaginant. Je préfère ne pas dire le prénom pour potentiellement ne pas spoiler. Hache à la main, courant dans un labyrinthe végétal derrière son petit garçon gémissant, Redrum, avec des yeux révulsés. Bienvenue dans Shining. J'ai aussi noté, et là pour le coup c'est peut-être un peu moins évident, mais il y a l'un des personnages qui porte pour nom de famille le nom Claiborne. Là aussi je pense que ce n'est pas dû au hasard, sachant que l'auteur, semble-t'il, aime particulièrement également Stephen King. Alors, même si on est loin du King, comme vous l'avez compris, hein, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je pense d'ailleurs que j'ai préféré Avalanche Hotel aux autres titres que j'ai déjà lus de Nico Takin. Et ça, je pense, au-delà de l'histoire en elle-même, que c'est certainement dû au fait que j'ai beaucoup aimé le duo Joshua-Sibyl que l'on a dans cette histoire-ci, un duo auquel je me suis franchement attachée beaucoup plus qu'au personnage de, je crois que c'est Tom Arkan, que j'ai rencontré dans son autre saga policière, avec lequel j'ai parfois un peu du mal. Ce roman n'a donc rien de révolutionnaire, mais personnellement, je l'ai trouvé sans prétention et plutôt efficace. C'est un thriller court et entraînant qui plaira, je pense, tout particulièrement au lecteur justement assez occasionnel de ce genre de littérature qui ne lise qu'un ou deux thrillers par an. Voilà, pour le coup, à mon avis, vous allez vous éclater avec ce titre-ci. Je suis désolée si ma langue a tendance à fourcher, mais je viens de tourner, comme je l'ai dit, un point lecture. J'ai déjà beaucoup trop parlé et là, je crois que je fatigue. Je sais que pour beaucoup de lecteurs, ce titre a été une vraie déception et qu'à contrario, il y a aussi tout un pan de lecteurs qui ont adoré ce roman. Donc heureusement pour moi, je me situe clairement plutôt du côté des lecteurs qui ont apprécié cette lecture. En fait, je me suis vraiment laissée porter par cette histoire et je l'ai prise comme elle se présentait à moi, c'est-à-dire comme un court divertissement haletant. Et en la matière, c'était vraiment plutôt agréable. Et puis, l'ambiance glaciale et montagnarde, il faut le dire, est particulièrement adaptée à la saison que nous vivons en ce moment. Et je me dis que ça a peut-être aussi participé au fait que je me sois facilement laissé porter par l'ambiance et par ce roman tout court. Un livre donc qui ne me marquera pas sur le long terme, je le sais pertinemment, mais qui, sur l'instant T, fut un chouette moment de lecture et qui en plus de ça a répondu à mes envies et mes besoins de lectrice du moment. Donc ma foi, c'est une quatrième semaine qui, pour ma part, débute plutôt bien. Et du coup, hier soir, comme j'étais bien partie dans ma lancée et que j'étais dans un bon mood, j'ai direct enchaîné avec un autre roman que je me suis prévu pour cette semaine. J'ai donc enchaîné avec Siglo de Ragnar Jonasson aux éditions Le Cercle Point. Ragnar Jonasson, je commence maintenant à en avoir lu pas mal de lui. C'est un auteur que j'apprécie, j'allais dire à petite dose, mais non, c'est même pas ça. C'est un auteur islandais dont j'ai parfaitement conscience que son écriture est, en tout cas pour moi, loin d'être parfaite. Il y a vraiment des éléments qui sont plutôt négatifs pour ma part, que je retrouve régulièrement dans ses romans, mais malgré tout, ça reste aussi à chaque fois des romans courts, des petits policiers un peu mignons, avec ce côté dépaysement de l'Islande qui sont malgré tout toujours agréables, même si c'est jamais des claques, mais bon, ça passe toujours plutôt bien. Comme j'ai dit, là on est pareil, hein, sur 250 pages je crois. Ouais c'est ça, sur à peu près 250 pages. Donc je sais que ça va se lire très bien. En plus de ça, c'est, il me semble, un tome 6 ou 7 de la saga avec son personnage d'Harry Thor. Je crois qu'à part celui-ci,
Il va me manquer, il me semble, Vic, mais sinon, j'ai lu tous ceux qui sont sortis en France pour cette saga, donc c'est plutôt cool. En plus de ça, j'avance dans une saga littéraire, ce qui est toujours bon à prendre, hein, parce que j'en ai beaucoup trop qui sont débutés et pas terminés. La petite note au début écrite par l'auteur m'a fait sourire, parce que il a dédié ce titre-ci à ses lecteurs français, et apparemment, voilà, il a développé depuis 2016 un amour particulier avec la France, et il a fait le choix de sortir cette histoire d'ailleurs en avant-première en France avant même de la publier en Islande. Donc ouais, je trouve ça plutôt chouette. Étant moi une lectrice française, ma foi, je trouve ça plutôt sympathique et appréciable. Donc voilà, sinon au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Eh bien, comme je l'ai dit, on retrouve le personnage d'Harry Thor, qui est toujours dans son petit commissariat de police perdu au fin fond de l'Islande, dans la ville de Siglofjordur. Je crois que c'est ça, à quelque chose près. Désolé pour l'accent, vraiment, je ne parle pas l'islandais couramment. Ça vous surprend, hein? Il est donc passé, on va dire, chef de ce commissariat de police, puisque son précédent supérieur a tout simplement pris sa retraite. Alors attention, hein, on est en Islande, donc les flics, c'est tranquille ou pépère, ils sont deux dans le commissariat, donc lui et un petit jeune qu'il a recruté dernièrement. On est loin, hein, des romans d'Olivier Norek, par exemple, où on a l'énorme commissariat du 93, ou même les romans de Franck Tillier, où on se situe au 36 quai des Orfèvres avec je ne sais combien de flics. Non, non, là, on est plus dans le côté doudou de la police. Toujours est-il donc que Harry est en train de pioncer tranquillou dans son lit. Il est d'astreinte, mais comme il se passe pas grand-chose dans son petit bled, il essaye de dormir. Le téléphone sonne, on lui demande de venir en urgence parce qu'à deux rues de là, un passant a retrouvé une jeune fille sur le sol. Il s'avère que cette jeune fille s'est jetée du deuxième ou du troisième étage de l'immeuble juste à côté. Est-ce un suicide? Est-ce un crime? On ne sait pas. Mais c'est donc là-dessus que Harry Thor va devoir faire la lumière. Alors, je l'avais déjà dit, il me semble, sur la chaîne, mais Ragnar Jonasson a traduit en islandais, je sais pas si c'est tous les titres d'Agatha Christie, mais il en a traduit énormément. Je pense que, grosso modo, c'est le traducteur officiel d'Agatha Christie pour l'Islande. Et du coup, je trouve qu'on ressent un petit peu cette patte Agatha Christie dans ses romans. Parce que, comme je disais, on n'est pas dans du cozy murder, mais on est quand même sur du policier assez light et... Ouais, je sais pas, je trouve vraiment qu'on sent que l'auteur a été influencé par Agatha Christie. Et d'ailleurs, vous me direz, c'est du coup une passerelle parfaitement trouvée pour la semaine prochaine, puisque je le rappelle, pour la cinquième et dernière semaine du Black November, nous devons lire des romans d'Agatha Christie. Donc, quel meilleur choix que de me jeter sur Ragnar Jonasson? Je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis pas très loin. J'ai lu 40 pages, mais ma foi, le début est plutôt agréable. Donc ouais, je suis bien dans cette lecture, et étant donné que nous sommes présentement mercredi, j'ai quand même bon espoir que nous soyons enfin sur une semaine où je pourrai lire plus d'un roman. Même si ce week-end, nous serons moins dispo parce que ma maman vient et que voilà, forcément j'aurai moins de temps pour lire, et qu'aujourd'hui j'ai une journée ultra chargée, et à mon avis demain ça va être aussi pareil avec le boulot. Bref, la fin de semaine là, niveau que ce soit boulot ou organisation de trucs pour la maison, je ne vais pas m'ennuyer. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça reste un roman plutôt court qui se lit bien assez vite, donc je pense ne pas trop m'avancer en disant que normalement, d'ici la fin de semaine, j'aurai au moins terminé ce roman-ci. Et bon, de toute façon, comme d'habitude, vous le savez, dès que j'ai des choses à vous dire ou que potentiellement j'ai terminé ce roman, je reviendrai vous faire un petit débrief ici. Comme pratiquement à chaque fois depuis les vlogs, je crois, du début du Black November, je reviens clôturer ma vidéo alors que nous sommes lundi, parce que tout simplement, comme je vous l'avais dit,
Ce week-end, je n'étais pas dispo, en tout cas je n'étais pas dispo pour YouTube puisque j'étais en famille et que par conséquent je n'ai absolument pas filmé, mais malgré tout, ça ne m'a pas empêché le soir tranquillou dans mon lit de lire un petit peu. Et donc, oui, j'ai terminé Siglo. Alors, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que à ce jour, j'ai pratiquement lu tous les romans de la saga autour du personnage d'Harry Thor. Et je pense que celui-ci est très probablement mon préféré de toute la série. Je l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, mais c'est vrai que je ne suis pas la plus grande fan de l'écriture de Ragnar Jonasson. Vous allez me dire, alors pourquoi tu le lis ? Ça, c'est autre chose. Mais je trouve que dans Siglo, il a su gommer certains défauts que je note régulièrement dans ses romans. Tout d'abord, je trouve que dans celui-ci, il a traité le personnage d'Harry Thor avec beaucoup plus de réalisme et de simplicité, et cela ne l'a rendu que plus sympathique à mes yeux. J'ai généralement un peu de mal avec ce personnage, en tout cas c'était le cas dans les autres tomes, et dans celui-ci, je reconnais que j'ai plutôt apprécié suivre sa vie, ses questionnements sentimentaux et bien sûr son quotidien de flic dans un tout petit poste de police perdu au fin fond du grand nord islandais, autant dire pratiquement le bout du monde. Comme quasiment à chaque fois, j'ai beaucoup aimé cette ambiance de petit village islandais enseveli sous la neige où les habitants semblent avoir une vie assez rude et solitaire et où très rapidement ils peuvent se retrouver complètement coupés du reste du monde. Les chapitres sont court, voire même très court, et le style est ultra accessible, ce qui fait que même si cette histoire peut peut-être présenter certaines lenteurs, ça n'en reste pas moins un roman qui se lit très bien et très rapidement. Attention donc peut-être pour les grands fans de polar, parce que pour moi ce titre tient presque plus du cozy murder que du roman policier tel qu'on a l'habitude de le rencontrer. Par contre, du coup, pour les lecteurs peut-être un peu sensibles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucune scène choc, aucun détail, un tant soit peu sanglant, dégoûtant ou quoi que ce soit. Non, là vraiment, allez-y. C'est vraiment un polar simple et grand public qui se déroule sur une durée de 4 jours, je crois seulement, et qui en plus de ça a des faux airs de huis clos, puisque en fin de compte on va suivre un groupe extrêmement restreint de personnages et que tout se passe dans la ville de Siglo, ou si je le dis entièrement Siglo Jordur ou quelque chose comme ça, vous m'excuserez une fois de plus, je n'ai pas fait Islandais LV2. Ce n'est donc pas du grand roman policier, mais en attendant c'est un petit livre qui a fait le job de me divertir, de m'évader et de me faire passer un moment de lecture, ma foi, fort sympathique et non prise de tête. Et je reconnais qu'en ce moment, c'est un peu ce que je recherche. J'ai également beaucoup aimé la fin et les thématiques que l'auteur a soulevées dans ce titre. Des thématiques que d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à retrouver dans ce roman. Et j'ai été, ma foi, fort agréablement surprise parce que je trouve que ça reste des thématiques importantes à mettre en avant. Alors bien sûr, vous vous en doutez, je ne peux pas développer plus que ça à mon propos parce que ce serait forcément spoilant. Mais en attendant, voilà, comme je le dis, c'est pour moi, la thématique centrale est une thématique que je rencontre personnellement assez peu dans mes lectures et qui malheureusement reste plus que jamais d'actualité. Si je devais donc résumer ce livre, je dirais que c'est un bon petit roman policier rapide et sans prétention qui a tout de même le mérite d'aborder une thématique que personnellement je rencontre assez peu et qui a également le mérite d'avoir un côté assez dépaysant. Siglo m'aura donc plutôt réconcilié avec Ragnar Jonasson qui, soyons clairs, avait été loin de me convaincre dernièrement. C'est un titre dont je n'attendais vraiment pas grand chose et qui, au bout du compte, ma foi, aurait été une plutôt bonne surprise, même si, je le répète, je pense que ce ne sera pas un titre mémorable, hein, dont je me souviendrai sur la durée. Mais ça ne reste pas moins, je pense, une sorte de pseudo-cozy murder qui, j'estime, peut vraiment plaire au plus grand nombre. Donc voilà, vraiment, cette semaine, je dirais que
S'il y avait presque un mot d'ordre, un fil rouge à cette quatrième semaine du Black November, c'est que personnellement, mes lectures, en tout cas les romans que j'ai fait le choix de sortir, étaient des romans dont vraiment je n'attendais pas grand-chose, sur lesquels je misais assez peu. Et au bout du compte, alors est-ce que c'est parce que justement je n'en attendais pas grand-chose, je ne sais pas. Mais en fin de compte, bien, les deux ont été des moments de lecture agréables, divertissants et ouais, c'est déjà pas mal. Clairement, les lectures de cette semaine, ça n'a pas été des énormes coups de cœur. Je sais que ce ne sera pas des, voilà, des romans qui vont chambouler ma vie de lectrice et dont je vais me souvenir longtemps. Mais ça n'en reste pas moins des titres qui m'ont fait passer une bonne semaine de lecture. Et c'est déjà pas si mal, parce que c'est pas le cas de tous les romans que j'ai pu lire dernièrement. Donc ouais, je suis vraiment heureuse qu'en cette quatrième semaine du Black November, j'ai donc enfin réussi à lire deux titres et non pas un seul comme c'était le cas ces dernières semaines. Donc ouais, pour moi c'est une semaine réussie à tous les niveaux. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit bout de Black November avec moi, que vous avez apprécié suivre mes lectures et bien sûr qu'en plus de ça, mes retours de lecture vous auront été utiles. Et puis bah, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le 5e et dernier vlog du Black November. J'ai, voilà, je l'ai déjà dit, mais vraiment, je n'ai rien vu passer à ce mois de novembre. Le challenge est passé extrêmement vite. Alors, j'avoue qu'il y a un petit pincement au cœur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à l'apprécier à sa juste valeur. Et en même temps, je ne suis pas mécontente qu'il se termine parce que j'ai aussi envie de me lancer dans d'autres lectures. Je vous l'ai dit dernièrement, j'ai des envies de King, par exemple. Donc ouais, je pense que c'est bien que ce challenge ne dure pas plus longtemps parce que j'ai envie, voilà, de très prochainement me laisser aller un petit peu à mes envies de lecture et je croise les doigts pour que ça donne lieu à de très belles surprises dont bien sûr je vous parlerai sur cette chaîne. Je vous souhaite donc une bonne suite et fin du Black November. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous et en attendant jusque-là, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye !